Voici donc, alors je le dis à l'intention des gens qui sont sur Skype, vous voyez, je change un tout petit peu de ton, parce que malgré tout, ça s'adresse à un large public, donc je la fais un peu plus pasteur, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est gentil, hein, c'est pas trop excessif. Et en plus c'est filmé, donc les gens peuvent sourire au passage. Voilà, donc soyez les bienvenus, et pour ceux qui suivent notre culte en direct, et puis depuis le Canada, la France, la Suisse, Jérusalem, et puis, ben, gloire à Dieu, hein, et puis depuis ici aussi, hein. Soyez les bienvenus, et puis vous qui allez écouter, n'est-ce pas, le message d'aujourd'hui, la parole de Dieu, et ce que Dieu a à nous dire aujourd'hui, eh bien, soyez bénis aussi. Je remercie au passage ceux qui m'écrivent, je reçois des mails de gens, ça fait toujours du bien de l'entendre, merci pour le message qui m'a beaucoup, beaucoup parlé. Et on sent qu'il y a une montée en, comment dire, un rétrécissement vers l'essentiel de plus en plus dans ces temps. Et plus en plus de gens m'écrivent en disant, mais vraiment, là, merci, parce que ça touche à des choses. Il y a une soeur qui m'a écrit, je ne connais plus son nom, j'ai reçu un mail, je ne garde pas tout, parce que comment elle m'écrivait, vous savez, c'est extraordinaire, parce que le message qui a été donné, j'avais l'impression que Dieu me mettait un miroir, et me disait, regarde ça, c'est toi. Alors ça m'a bouleversé, ça m'a conduit à toutes sortes de repentances, dit la personne, etc. Bon ben, gloire à Dieu, c'est formidable. Donc on continue à bénir Dieu, on recommence à avoir une réunion avec des gens parmi nous, sans masque bien sûr, mais bon, on continue avec Skype puisqu'on a maintenant un panel un peu plus élargi grâce à Skype. Nous allons louer le Seigneur. Alléluia, alléluia, Meshua, Meshichenu, alléluia, alléluia, Meshua, Adonenu, alléluia, alléluia, Meshua, Meshichenu, alléluia. Alléluia, Yeshua, donne-nous, Eliyahu Hanavi, Eliyahu Atishvi, Eliyahu Agilagi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Agilagi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu. Bimecha yavo eleinu, Bimecha yavo eleinu, Imashiach, Imashiach, Imashiach ben David, Yeshua, Imashiach, Imashiach, Imashiach ben David. Odu l'Adonai ki chant qui dit,
nous sommes montés à la terre d'Israël, hein, ceux qui font retour en Israël, nous avons labouré en semençant, mais nous n'avons pas encore récolté. Alors on transpose un petit peu, vous êtes montés au ciel, puisque vous êtes sauvés en Yeshua, vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes, vous avez peut-être labouré en semençant, mais vous n'avez pas récolté. Alors il y a quelque chose qui ne va pas là, il y a quelque chose qui ne va pas, donc... Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre une des choses qui nous manque le plus et qui nous permettent de récolter des fruits, dans, n'est-ce pas, qui viennent d'en haut, qui sont inspirés d'en haut et qui se manifestent sur la terre, savoir des âmes sauvées, des gens guéris, des paroles de connaissance aux païens, des prophéties, enfin que sais-je, toutes ces choses, n'est-ce pas? Amen. Et qui sont des fruits. Alors nous ne chanterons plus ce chant-là, mais nous chanterons nous sommes montés au ciel en Jésus et nous avons la connexion avec le ciel et maintenant nous labourons, nous ensemençons et nous récoltons. Dieu, notre Dieu, nous te louons. Je te bénis pour ma part parce que, oh Seigneur, tu m'as appris le courage et c'est pas toujours évident d'avoir le courage, d'apprendre le courage parce que ça coûte quand on n'est pas, on n'a pas... Comme tous, on doit apprendre. Le courage, eh bien, tu m'as appris le courage. Et j'ai pu voir, Seigneur, que dans cette connexion avec toi dans les cieux, j'ai toujours pu, Seigneur, revenir sur terre, enfin, être sur terre et pratiquer les œuvres que tu m'as commandé de pratiquer. Avec des erreurs, avec des ajouts humains qui n'auraient pas dû être là parfois, c'est vrai. Mais, Seigneur, tu as eu pitié de moi et tu m'as permis aussi de me tromper parfois et puis de garder toujours, comment je dis, cette sobriété dans la relation avec toi qui fait que je ne fais que ce que tu me demandes de faire. Seigneur, merci parce que ton fils Yeshua nous a appris, il nous a dit lui-même, je ne fais rien d'autre que ce que je dois faire par mon Père dans les cieux. Amen. Seigneur, c'est tout le secret de la vie du chrétien, du vrai chrétien, du croyant. Et on doit voir les fruits de cela. Alléluia. Seigneur, tu as porté des fruits puissants pendant 3 ans. Ça n'a pas arrêté. Et tu veux que nous portions des fruits puissants aussi, dans le bon nom de Yeshua. Si quelqu'un veut louer le Seigneur, soyez libre de le faire, s'il vous plaît. Amen. Shevetarim gam yarad Hine matov umanayim Shevetarim gam yarad Hine matov Shevetarim gam yarad Hine matov Shevetarim gam yarad Hine matov umanayim Shevetarim gam yarad Hine matov umanayim Shevetarim gam yarad. Amen. Je sais que vous m'êtes très indirect, mais c'est une façon de louer Dieu, mais c'est quand même un chant qui nous dit qu'est-ce qu'on est bien ensemble, n'est-ce pas? Mais j'aimerais qu'on puisse louer Dieu ce matin, pour ce qu'il est, pour qui il est. Et pas seulement dire qu'est-ce qu'on est bien ensemble, c'est gentil, c'est bien. Alléluia Seigneur, merci pour ta présence aujourd'hui. Nous avons tant besoin de toi Seigneur, remplis-nous Seigneur. Merci pour qui tu es, merci pour ton instruction chaque jour Seigneur. Amen. Merci parce que tu nous dépouilles chaque jour de notre chair Seigneur. Amen. Tu nous rends aussi courageux, tu nous apprends le courage Seigneur, même si il est balbutiant au départ Seigneur, mais tu nous montres là où on est lâche tous les jours Seigneur. Sans toi nous ne serions rien, nous te louons Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons Seigneur dans l'assemblée Seigneur. Merci pour ta présence ce matin. Merci, nous voulons élever ton nom tous ensemble, Seigneur. Merci dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Corne Shama. Te alegría,
Israël. Hine Eloyanu velo ishan velo ishan. Shomer shomer Israël. Hine Eloyanu velo ishan velo ishan. Shomer Israël. Hine Eloyanu velo ishan velo ishan. Shomer shomer Israël. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. On va passer à la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si quelqu'un a un témoignage, cherche, ça me vient à l'esprit maintenant, hein, mais un témoignage vraiment intéressant, hein, pas un témoignage, je suis content parce que j'avais compris que, puis maintenant je comprends mieux que, non, ça. Un témoignage du fruit porté autour de nous, c'est ça que Dieu veut que nous puissions. Alors, personne? Bien, alors moi j'ai un beau témoignage, puisque Dieu nous a fait la grâce. Je dis fait la grâce, mais on a cherché aussi, hein. On est parti lundi après trois jours très très actifs avec les jeunes ici, parce qu'on a fait des travaux très durs, et puis j'ai fait du travail spirituel avec eux, qui était très fatigant aussi, n'est-ce pas? Alors, c'est une réalité. Et donc lundi, j'étais très fatigué, mon épouse l'était aussi, et nous avons demandé à l'Éternel si nous pouvions prendre une journée de détente. Alors Dieu nous a dit oui, mais je sais que lorsque nous prenons une journée de détente, en général, Dieu nous prépare quelque chose de costaud, n'est-ce pas? Alors nous sommes allés à la ville voisine, et puis nous avons vécu, je donnerai courtement des mariages tantôt, quelque chose d'extraordinaire, puisque nous sommes entrés dans une boutique conduite par l'Esprit de Dieu, de livres nouvel âge, avec une espèce de bouquinerie un peu hippie comme ça, et la vendeuse avait tatoué sur son bras « Ni Dieu ni maître ». Alors, quand on est sorti, elle avait les larmes aux yeux, elle était en train de nous supplier presque de rester près d'elle, parce que nous avons pu lui donner le témoignage de la façon que Dieu est vivant, comment il nous a sauvés, et elle y a cru. Elle a dit « Je suis stupéfait, je ne savais pas que c'était possible ». Gloire à Dieu. Donc on va retourner la voir, on va, etc. Mais je vous assure, si je lui ai dit tout ce qu'il fallait faire, vous allez rentrer à la boutique, vous, mais parce qu'elle voulait savoir pourquoi, ce qu'on avait vécu, comment c'est possible. Et je dis mais c'est Dieu, c'est tout, voilà. Et puis voilà. Donc je bénis le Seigneur parce qu'une victime du diable, vraiment une victime du diable, n'est-ce pas, a été touchée par le Seigneur et je pense qu'elle va venir au salut. Amen. Amen. Donc, béni soit le Seigneur, mais je peux dire aussi que le message, l'exhortation que j'ai faite aux trois hommes qui étaient là pendant la semaine dernière, quelque part a eu un effet boomerang sur moi, parce que depuis trop longtemps, je dois déplorer le manque de courage, le manque de fermeté, le manque de persévérance chez beaucoup d'hommes. C'est un des grands problèmes de ce temps, hein, la faiblesse des hommes, et la grande désillusion des femmes qui, du coup, ben, prennent les rênes, et comment... Hey, c'est l'éternel problème, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Et alors, d'avoir si souvent essayé d'exhorter les hommes à devenir des hommes, tout simplement, je me suis rendu compte que j'ai usé beaucoup d'énergie, puis soudain, le Seigneur m'a dit, mais reprends en main ton ministère, et quand tu témoignes, tu y vas, comme on dit communément, à fond la caisse, avec amour, mais tu vas jusqu'au bout. On reconnaît un homme en ce qu'il commence une chose, il va jusqu'au bout, il la termine. Et très souvent, nous ne commençons pas quelque chose personnellement dans une relation avec Dieu, mais parce qu'on nous le propose dans un programme d'église, mais de nous-mêmes, reconnaissons-le. Nous n'entendons rien de très sérieux autour de nous pour le salut des âmes. Or, nous sommes quand même là pour ça. Si nous sommes sauvés et que nous achetons des charentaises, il y a un problème. Bon, on va aller dans la parole de Dieu. Le titre du message, donc aujourd'hui, alors attention, parce que comme je l'ai dit, d'entrée de jeu, enfin, c'est pas un jeu, mais d'entrée de message, dirais-je, eh bien, les messages se suivent depuis quelques semaines et se complètent, s'ajoutent les uns aux autres.
J'aimerais que vous soyez... Ce n'est pas un message, et puis un message, et un message, c'est une série de messages. Il faut essayer de capter le fait qu'il y a une direction de Dieu dans tout ça. C'est pas... Si Dieu se... J'ai envie de dire, se démène comme cela, c'est qu'il veut vous faire comprendre quelque chose. Donc il faut le comprendre. Et ce n'est pas si difficile que ça à comprendre, hein, en réalité. Donc, le titre du message aujourd'hui sera « Le courage d'avoir du courage ». Le courage d'avoir du courage. Personne ne n'est courageux. Vous savez ça? Moi, je ne suis pas né courageux. Petit, j'étais froussard. Les gens ne me croient pas quand ils disent aujourd'hui. Et puis Dieu m'a appris à avoir du courage. Du coup, j'ai été confronté à la mort possible sur le terrain missionnaire. Vous connaissez mon histoire. Donc, d'enfant peureux, craintif, Dieu m'a mené à être un homme. Oui, je peux dire, droit dans les yeux, n'importe qui, j'ai du courage. J'ai confronté la mort plusieurs fois dans le ministère, dans le monde musulman, en Afrique, etc., etc. Donc, Dieu peut faire de n'importe lequel d'entre nous un être qui a du courage. N'est-ce pas? Seulement, il faut avoir le courage de vouloir apprendre le courage. Parce que quand on n'est pas courageux et qu'on doit apprendre le courage, waouh, ça va coûter un petit peu quand même. Hein, ça va coûter un petit peu. Et là, les charentaises, non, on oublie. Et maman, et le modèle paternel qui n'a pas toujours été très courageux, il faut oublier tout ça. Il faut se mettre à nu devant Dieu et dire, voilà, moi où j'en suis là. Et ce n'est pas évident, je vais apprendre le courage. Donc, nous allons étudier très superficiellement plusieurs personnalités dans le livre des Actes. Le livre des Actes, c'est le livre de la puissance de Dieu qui agit à travers, non pas des nouilles, mais à travers des hommes de courage. N'est-ce pas? Des gens qui sont prêts même à mourir. Et ils ne font pas que le dire, ils le vivent. Alors on va étudier Étienne, c'est le cas, c'est un homme de courage extraordinaire. On n'enseigne jamais Étienne sous l'aspect du courage, j'ai remarqué ça. On parle toujours d'Étienne, oui, là, il a pardonné à ses ennemis, il était bon, etc. Mais on ne parle jamais du courage d'Étienne. On va étudier un tout petit peu l'apôtre Paul. Ah ben, c'est, attendez, il n'y a pas plus courageux que cet homme-là, c'est un homme de grand courage. On va étudier Corneille, on va étudier Pierre. Et en deux mots, nous avons beaucoup parlé de Pierre ces dernières semaines. Vous avez remarqué, on a beaucoup parlé de Pierre. C'est intéressant, Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre, c'est un exemple d'homme faillible. Tout homme est faillible, mais Dieu prend l'exemple de Pierre pour nous parler. Et Pierre est faillible. Je ne vais pas vous rappeler à quel point il a été faillible. Il se vantait auprès du Seigneur. Moi, je te suis jusqu'au bout. Il croyait qu'il avait du courage. Et puis, devant l'épreuve, il a démontré qu'il n'en avait aucun courage, n'est-ce pas? Donc, Pierre a dû constater, l'Écriture nous dit, il sortit quand il a réalisé qu'il était un lâche. Parce que c'est, il a été lâche. Et oui, comment vous voulez appeler ça autrement? Ah, mais on ne dit pas ça, frère, c'est trop dur. Mais non, mais c'est la vérité, c'est là. Il a été lâche. Il a même fait des imprécations. Quoi, ce Jésus? Oh, je ne connais pas, laissez-moi tranquille avec lui. Oh, je n'ai rien à voir avec lui. C'est un discours de lâche. Mais il sortit, il pleura amèrement. Il a vu sa vérité en face. Il ne s'est pas berné avec du blabla religieux, il a dû affronter avec courage son manque de courage. Et il a dû apprendre le courage. Pierre est un homme qui a dû apprendre le courage. Et c'est très intéressant. C'est très très intéressant parce que ce n'est quand même pas un hasard que Yeshua lui a dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » C'est-à-dire sur l'humanité faillible, parce qu'elle va apprendre le courage. Je fais grâce, je ne vous juge pas de vos faiblesses, je ne vous condamne pas parce que vous êtes faible. Je serai le premier à être condamné par Dieu, je vous assure. Mais je veux que vous appreniez le courage, et vous allez l'apprendre. Et Pierre a appris. Alors j'aime bien Pierre parce que Pierre connaît alors, après son échec, ses tendances faillibles. Il est imprévisible, il vit fort dans son âme. Nous avons tous cette tendance à réagir avec notre âme aux circonstances. Et ça doit être ôté tout ça, ça doit être enlevé.
Nous devons devenir des êtres dépouillés de toute cette gangue de sentiments. Attention, j'ai pas dit qu'il fallait pas l'amour, mais l'amour qui vient de Dieu et notre sentimentalité charnelle, ça n'a rien à voir. Donc Pierre était cet homme, voilà, et donc il était, son âme dominait chez lui. C'est son âme qui le disposait à dire à Jésus, je vais te suivre jusqu'au bout. Et donc il doit découvrir qu'il est lâche, qu'avec son âme il peut rien faire. Donc c'est un magnifique exemple. Dieu a permis l'histoire de Pierre parce que nous sommes tous des pierres quelque part. Et malgré cela, le courage de Pierre. Écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que j'ai déjà donné une bonne partie du message de ce que je vais vous dire. Qu'est-ce qu'il fait, Pierre? Il y va quand même, il se dit, ok, je suis faillible, mais j'y vais quand même. Parce que le maître m'a demandé d'y aller, donc j'y vais, malgré mes défaillances. Je vais encore probablement défaillir, et peu après, il va encore défaillir. Rappelez-vous l'épisode, n'est-ce pas, où Paul doit le reprendre en public, il est déjà le grand apôtre Pierre. Rempli du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il est un disciple magnifique du Seigneur, il est un des 12 apôtres, et il va faillir encore une fois. Et il y va quand même, il dit, ok, j'ai pris encore la leçon, j'ai pris la claque, mais j'y vais quand même. Mes amis, là, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le courage de l'homme qui tombe, qui échoue, mais qui se relève. Qui regarde en face son échec, qui dit « Je ne m'arrête pas, je continue. » Mes amis, j'entends souvent, j'ai trop entendu ces dernières années, n'est-ce pas, des hommes qui chutent et qui disent « Oh, ben voilà, je ne peux pas faire mieux. J'ai encore raté. Ah ben voilà. Ah ben c'est malheureux. Voilà là. » Mes amis, vous savez très bien de quoi je parle, certains. Vous aimez bien, vous vous soumettez à vos échecs avec une facilité inouïe. Vous vous plaignez, vous êtes les fils de vos moments. Vous voulez qu'on vous console alors que Dieu vous demande, regarde en face qui tu es. Et prends courage. Prends courage. Quand Dieu dit à Caïn qui était le fils de son moment, n'est-ce pas? Caïn, c'était même pas un prénom. Ça voulait dire qu'il était l'acquisition de sa mère. Alors, l'Éternel lui dit, le péché se couche à ta porte, mais toi, sois courageux, domine sur lui. Il ne l'a pas fait. Le résultat, on connaît. Hein. Il a inauguré la race des antéchrists sur la terre. Lisez dans la Genèse, vous verrez. Ok? Alors, mes frères, si vous ne décidez pas, quand vous avez un échec, et vous en avez, et j'en ai eu aussi, alors regardez en face et se dire, bon, d'accord, ok, ça c'est... C'est la part faillible de mon être. Bon, je mets de côté le discours, ouais, moi je jette l'éponge et puis voilà, j'en ai marre. Et j'entends ça. Ça, c'est une lâcheté, mes amis. C'est une lâcheté. C'est très grave. Et ça, vous devez oublier une fois pour toutes. Vous devez accepter que vous êtes faillible et le regarder en face et dire, mais Seigneur, tu me fais grâce et tu vas m'aider à grandir. Amen. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le fatalisme, n'est-ce pas, n'est pas du tout courageux. C'est une lâcheté. Il faut dire, là, c'est le fatalisme devant l'échec, c'est la, je dirais, c'est la solution des faibles, qui veulent rester faibles. Alors j'espère que vous allez oublier ça éternellement. Oh, je sais que certains, ça vous coûte. Ça vous coûte de regarder en face les choses. Et je sais que ça coûte, c'est pas facile. Mais le courage s'apprend. Ah oui, 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 on va parler du courage aujourd'hui, mes amis, parce que sans courage, sans apprentissage du courage, rien du royaume de Dieu ne peut descendre sur la terre. Vous lui dites, mais c'est pas vrai, la Bible nous dit que, on est baptisé du Saint-Esprit. Oui, oui, mais il est dit aussi que certains viendront en disant, nous avons chassé les démons, nous avons parlé en langue, nous avons plein de trucs, et Jésus dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai pas connu. Où est-ce que le Seigneur nous connaît ou ne nous connaît pas? Ah, c'est là la question. Comment savoir si Dieu nous connaît? C'est-à-dire, nous, mes amis, sans le courage et l'apprentissage du courage, on va voir que c'est intrinsèque. Les passages qu'on va lire sont d'une richesse inouïe dans les Actes,
que j'ai plein de notes dans mes Bibles. Alors, et c'est, je vous supplierai de relire tous les chapitres auxquels je vais faire allusion dans le livre des Actes, parce que c'est truffé, il n'y a que de la gloire de Dieu avec des hommes de courage. Ça en est plein. Donc là, on n'a plus aucune excuse. Nous allons étudier Étienne, Actes 6, versets 7 à 10. Allons-y pour le cher Étienne. C'est pas n'importe qui, Étienne. Hein. C'est pas n'importe qui. Voilà, nous lisons donc Actes 6, versets 6 à 7. Voilà. Voilà, donc ils présentèrent, donc il y avait une discussion sur la distribution de la soupe à Jérusalem, et puis les apôtres disent à l'église, choisissez des diacres, ils vont choisir 7, si j'ai bon souvenir, et nous prierons pour eux. Très bien. La parole de Dieu, alors, ils les présentèrent donc aux apôtres, l'église présenta aux apôtres des candidats à la diaconie, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. Très bien. Nous le faisons aussi dans nos églises. Mais très étrangement, on établit des diacres et des diaconesses parce qu'on sent l'appel et puis crac, crac, boum, directement après, souvent on voit, il y a quelque chose qui se met à pédaler, et il ne se passe rien. Alors qu'ici on lit, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et s'il vous plaît, une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Est-ce que vous imaginez un contexte aussi puissant que ça aujourd'hui? Nulle part, mes amis. Nulle part. Une foule de sacrificateurs, des lévites, des kohanim. Eh bien, une foule de kohanim et de lévites se convertissaient à la foi en Yeshua. Les représentants officiels, pas de l'Église, mais du judaïsme le plus orthodoxe de l'époque, dont beaucoup avaient crucifié Jésus, avaient dit « il faut le tuer », se convertissent. Est-ce que vous imaginez, comment est-ce qu'une telle chose peut se faire? Mais c'est Dieu. C'est pas que Dieu, mes amis. Oui, c'est Dieu. Mais on va voir tout au long du livre des Actes, on peut le voir sans arrêt, que Dieu utilise des hommes de courage. Des hommes qui ont du courage. C'est extrêmement important. Continuons à lire. « Étienne, plein de grâce, et de puissance. On y viendra tantôt. Parce que c'est facile de lire la grâce et la puissance, mais est-ce que nous savons ce que c'est que la grâce? La grâce, c'est quelque chose qui vient sur nous lorsque nous avons une relation pleine et entière avec Dieu, en priorité absolue par rapport à tout le reste. Alors on sent cette grâce de Dieu qui descend sur nous. Et la puissance de Dieu descend aussi. Elle est là, la puissance de Dieu, elle n'attend qu'une chose, c'est de s'incarner dans nos vies, mes amis. Ce n'est pas réservé à quelques ministères soi-disant exceptionnels sur la terre. Non, non, c'est un mensonge absolu. La grâce de Dieu, c'est pour un diacre ici. La puissance de Dieu, pour un diacre. Et il n'y avait pas que des diacres, il y a même des gens tout simples. Nous allons aussi analyser un homme qui n'est même pas juif, il s'appelle Corneille, à qui il a fallu un courage monstrueux pour faire ce qu'il a fait. Vous lisez tout ça, vous trouvez normal, mais en réalité, si vous lisez bien le contexte, ce Romain qui va être utilisé par Dieu, rendez-vous compte, un goy complet, pour amener un juif à comprendre que, n'est-ce pas, il doit se tourner vers les goyims aussi, et pas seulement vers les juifs. Mais il a fallu un courage incroyable à ce qu'on est. Non, peut-être ça ne vous touche pas. Un courage moral, en tout cas, extraordinaire. Ok, il savait qu'il n'était pas juif, et qui risquait de ramasser une claque de la part du juif, qui l'envoyait paître en disant « Mais qu'est-ce que tu viens nous raconter ?» Mais il avait du courage. Alors, quel fruit extraordinaire des sacrificateurs, le Saint-Esprit était répandu au travers d'hommes courageux. J'ai envie de dire, et de femmes courageuses. Des êtres adultes, n'est-ce pas? Adultes, et plus d'éternels enfants gâtés. Nous lisons chez Étienne, donc, à partir du verset 8, nous reprenons. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges. Attention, aujourd'hui, nous avons des ministères qui font, distillent des prodiges. Mais en réalité, quand on observe un petit peu, on découvre même chez beaucoup que c'est de la frime. C'est pas vrai. Des prodiges, mes amis. C'est un petit gars, Étienne, c'est un petit juif, le diacre, il sert la soupe. Il n'a même pas été convoqué par les apôtres pour prêcher, rien du tout. Il fait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple.
Voilà, il n'est pas serviteur de Dieu, il n'est pas pasteur, il n'a rien de tout ça. Il n'est pas évangéliste, il n'est pas apôtre, il n'est pas prophète, rien. On ne sait pas ce qu'il est. Il sort de nulle. Il y a un message, là, c'est pour vous tous. Voilà, faisait des grands prodiges parmi le peuple. Il n'attendait pas qu'un pasteur dise « on va faire un programme d'évangélisation ». Non, 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 il y allait carrément. Et il avait raison. Voilà, c'est aussi, quand on lit, le départ pour lui, alors quand on lit tout ce qui suit, on comprend très bien qu'ils vont lui, comme on dit un peu communément, on va lui faire sa peau, hein. Et il le sait, il le comprend. Il n'y a rien qui l'arrête, il va jusqu'au bout. Alors on est en admiration, oh le courage d'Étienne, la beauté d'Étienne qui pardonne, Père pardonne-leur, parce que, etc., etc. Mais on oublie qu'on n'est absolument pas capable de vivre ça. On croit qu'on est capable, oui, oui, moi je le ferai. Quand on prêche ça, les chrétiens, oui, oui, je serai comme Étienne, oui, 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 mais c'est pas vrai. Tu ne seras pas comme Étienne. Tu ne seras pas, parce que tu oublies que dans toute cette histoire d'Étienne, il y a un courage. Vous savez ce que c'est d'être seul devant un tribunal rabbinique ou ecclésiastique, évangélique, ça existe aussi, où on a décidé de vous descendre. Vous savez ce que c'est? Moi, j'ai connu ça. Hein. Il faut un sacré courage pour tenir tête, là. Ah ben oui! Ah ben attendez, il faut vous rendre compte. Quand c'est le diable lui-même qui utilise un tribunal rabbinique ou bien même évangélique, ça existe, pour vous détruire. Ben oui, vous êtes en face du diable, là. C'est là qu'il faut du courage. Alors c'est bien de le dire en parole, oui, j'aurai le courage d'Étienne, j'espère que je l'aurai. Mais s'il ne fait qu'espérer, c'est que tu es à peu près sûr que tu ne l'auras pas. Amen. Voilà, donc, voilà, je voulais ici vous glisser le témoignage de ce que nous avons vécu lundi, mais je pense que j'ai déjà expliqué les choses suffisamment. Donc, ayant exhorté, moi, pendant tout un week-end, trois hommes à réfléchir sur leur absence de courage, tout simplement, et qu'ils doivent trouver le courage d'apprendre le courage, n'est-ce pas? Je ne dis rien de mauvais en disant ça, c'est la vérité. Le Seigneur m'a dit, ok, maintenant, repars avec le courage. Et donc, nous avons rencontré ce lundi une jeune fille, disciple de Satan, hein, même si elle ne le dit pas ouvertement. Et puis, nous l'avons, avec courage, et avec l'Esprit de Dieu, guidé par le Seigneur, parlé, mon épouse et moi, de façon très claire et très... tellement clair, tellement vrai, qu'elle en avait les larmes aux yeux, et à la fin, elle s'accrochait presque à nous, en disant, mais donnez-moi ça. Ça a duré un quart d'heure. En un quart d'heure, Dieu a retourné une femme perdue, mais perdue, complètement perdue. Nouvel âge, occultisme, tout le tremblement de choses mauvaises. Mais vous savez, je l'ai regardé à un moment donné, et j'ai senti tellement l'amour de Dieu pour cet homme-là. Et quand je l'ai quitté, je lui ai dit, vous savez, on avait parlé aussi des religieux. Hein. Je lui ai dit, vous savez, moi je hais la religion. Il m'a dit, c'est vrai. Mais moi aussi, je hais la religion, parce qu'on voit très bien que les hommes religieux utilisent. Ils ne sont pas dupes, les gens du monde ne sont pas dupes. Et je lui ai dit, je vais faire une chose en vous quittant. Je vais vous bénir, mais attention. Ce n'est pas le pasteur qui vous bénit, c'est de mon cœur d'homme que je vous bénis, je vous bénis. Elle a eu les larmes aux yeux, elle a dit, mais ça je sais que c'est pas religieux. Elle était bouleversée. Mais mes amis, vous allez dire, c'est banal ce que tu racontes. Non, c'est pas banal. Il a fallu le courage de dire, elle avait tatoué sur son bras, ni Dieu ni maître. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On y va gentiment, prudemment, je crois que je vais lui témoigner, mais je ne sais pas si, parce que je l'ai... Non, faut y aller. Faut y aller. Il faut faire quelque chose. Mes amis, il faut que nous mettions dans la tête une chose. Nous devons, devant chaque être humain que nous rencontrons, dans la mesure du possible, nous devons savoir qu'il y a quelque chose à faire. On ne peut pas être timide. Avant de parler à cette jeune fille, cette jeune femme de 50 ans à peu près quand même, qui était une épave, il faut le dire, une épave, mais un cœur perdu. Le matin, j'ai pris du fioul à la pompe à essence, et puis, en payant, je dis au bonhomme dans sa guérite, là, je lui dis que Dieu vous bénisse. Alors, pas de réponse. Alors, du coup, je,
Je me retourne vers lui, je dis, vous croyez pas en Dieu? Mais gentiment. Non! Je dis, mais vous savez, vous avez tort, parce que Jésus, c'est le commencement du vrai bonheur. Mais oui, il faut rater aucune occasion, mes amis. Cette simple phrase, Jésus, c'est le commencement du bonheur, il a dû se dire, mais qu'est-ce qu'il a voulu me dire avec ça? Oui, ça va trotter dans sa tête, je suis sûr. Il faut rater aucune occasion. Vous êtes des génies pour le Seigneur si néanmoins vous laissez Dieu vous guider, si vous voulez bien y croire. Et arrêtez de vous mettre à la remorque comme ça, de Chaïm ou de je ne sais quel serviteur. Je ne supporte pas les gens qui se mettent à la remorque. Non, c'est trop facile, il faut oublier ça. Vous devez mener votre vie, vous avez les moyens pour ça, il faut avoir le courage d'apprendre le courage. On continue. Amen. Ok, bref, Étienne, on relit donc au verset 8, était plein de grâce et de puissance. De grâce et de puissance. Quand était en face de cette jeune fille, tout son Bataclan occulte est tombé par terre. Parce qu'il y avait la grâce et la puissance de Dieu. Et c'était pas ma grâce à moi, je n'en ai pas. Mais la grâce de Dieu était sauvage, et ma femme aussi. C'était un rendez-vous entre Dieu et cette jeune fille à travers de bêtes outils humains qui sont simplement courageux. C'est tout ce que nous avons à faire, c'est apprendre le courage et être courageux. Et nous ne sommes que de pauvres instruments. Mais vous vous rendez compte quel privilège Dieu nous fait? Est-ce que nous nous rendons compte que nous avons un privilège? Mais royal, mes amis, mais royal. Amen. Royal! Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et nous nous comportons comme des pleutres, comme des... Mais ce n'est pas possible. Nous avons deux visages. Dieu nous dit, allez, courage maintenant, apprends le courage. C'est important. Là, cette grâce et cette puissance, n'est-ce pas, qu'il y avait sur ce diacre, ce gars qui servait la soupe aux tables, n'est-ce pas? Eh bien, c'était tout simplement le signe qu'il avait une grande intimité avec Dieu. Pas à travers l'apôtre Pierre, pas à travers l'apôtre un tel ou un tel ou un tel. Il avait en direct une grande intimité avec lui. N'est-ce pas? Ça, c'est le secret que nous avons, je dirais presque tristement, dû révéler et qui nous a tous époustouflés lors de notre discussion biblique de mardi dernier. Alors, j'ai appris que ça avait été heureusement enregistré et nous allons le diffuser. Ok. Nous avons compris quoi mardi dernier? Eh bien, que nous devons absolument chercher Dieu en premier. Et vous allez dire, oui, je le crois aussi, mais on ne le fait pas. Et on a vu, n'est-ce pas, chacun a été libre, mardi dernier, d'exprimer comment il évangélisait, et on voyait, par exemple, il y a, moi, je trouvais ça extraordinaire, il y a une sœur qui nous a dit, hein, elle va seulement sourire parce qu'elle va se reconnaître. Mais voilà, donc, moi, je prie tous les jours, je veux, etc., je veux témoigner. Alors, voilà, donc j'ai mon programme, je vais me promener tous les jours dans le village, et je dis, Dieu, viens maintenant, et puis il se passe rien. Je vais expliquer, mais si tu demandes à Dieu de te conduire, mais que tu expliques qu'il faut que Dieu te rejoigne dans ton programme à toi, tu ne peux jamais avancer. Alors là, elle dit, mais c'est vrai. Vous savez ce que votre problème, la plupart des chrétiens, vous vous confiez dans un programme d'église, et pas dans l'éternel. Vous attendez que le problème d'église vous amène en position d'évangéliser. Et vous évangélisez dans le problème d'église, et qu'est-ce que vous remarquez? Il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de conversion. C'est une affaire personnelle, d'abord et avant tout. Amen. On continue. Étienne, rempli de grâce, avait une intimité personnelle avec Dieu. Et c'est ce qui, n'est-ce pas, ok. Maintenant, l'action d'Étienne, nous lisons, nous allons lire du verset 9 au verset 15. Qu'est-ce qu'il fait, Étienne? Eh bien, Étienne, il n'a qu'une envie, c'est de parler de la part de Dieu, puisqu'il a une relation directe avec Dieu. Donc, ça coule tout seul. Alors, lisons ce qui va lui arriver à notre Étienne. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, donc trois synagogues, avec des... qui se disputent entre eux tout le temps, hein, sur des queues de cerises, sur, je sais pas, est-ce qu'on doit manger la queue de la truite ou pas, ouais, ce genre de discussion religieuse complètement idiote, oui, il faut dire idiote. Là, c'est très important, hein, c'est très important.
Alors voilà qu'Étienne arrive, et puis il y a des miracles, il y a des prodiges, c'est pas ce gars-là. Attendez, il faut, on va le contrôler. Hein. Parce que nous, on ne vit pas ça. Alors ne vous étonnez pas, tous ceux qui se disent, notre frère, on a un frère ici qui a témoigné à des prêtres catholiques, alors dans un premier temps, ils étaient estomaqués, ils disent, mais comment vous savez tout ça? Moi, je ne connais même pas moi. Ah ben nous, on lit la Bible. Mais après, quand l'ecclésiastique s'est rendu compte que des gens qui n'ont pas de titre, rien du tout, en savent plus que lui sur la parole de Dieu, il se retourne et bien sûr, crac, c'est l'attaque. N'est-ce pas? Ah ben oui, c'est toujours comme ça. Il y a un univers qui ne supporte pas les chrétiens réveillés, c'est le monde religieux. Je suis même certain qu'il y a des pasteurs, quand ils voient quelqu'un qui est bouillant pour Dieu, on va le calmer un petit peu, parce qu'il ne peut pas être plus bouillant que moi. Mais si, un véritable homme de Dieu, il n'a qu'une envie, c'est que tous ceux qui sont devant lui deviennent plus bouillants que lui, plus grands que lui dans le royaume de Dieu. Amen. Donc Étienne, il va se trouver, voilà, ils se mirent à discuter avec lui, ils veulent discuter avec Étienne. On va calmer le petit Étienne, parce que là, il a un problème. Il en fait trop, le gaillard. Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il vous rendez compte. Où est-ce qu'il est écrit qu'Étienne est allé étudier la Torah chez Gamaliel? Nulle part. Expressément, l'Écriture nous montre que c'était un gars, c'était un juif qui lisait la Torah pour lui-même. Il n'écoutait pas les messages de quelqu'un d'autre. Il avait une étude, on va le voir, dans tout le discours, on ne va pas lire tout le discours, et tout le discours qu'Étienne fait devant ses accusateurs de trois synagogues, on voit qu'il a une connaissance de l'Écriture extraordinaire, et sous l'onction d'esprit, il va leur dire tout ça. Ce qui veut dire qu'il est en train de leur dire, ne me prenez pas pour un rigolo. Si il y a autour de moi de la puissance et des prodiges, c'est parce que je suis un connaisseur aussi de l'Écriture. Je ne suis pas une secte, je ne suis pas un illuminé. Parce que c'est le discours qu'on tient aujourd'hui. Je connais des milieux chrétiens qui vous disent que si vous priez, vous serez malade, les malades sont guéris, c'est du diable. J'ai entendu ça. Parce que comme ils ne le font pas, il ne faut pas que les autres le puissent le faire. Donc ça ne peut venir que du diable, n'est-ce pas? Et l'Écriture, pourtant, nous prévient. Le péché, tous les péchés sont pardonnés, mais le péché contre l'esprit ne sera jamais pardonné. Attention, attention. Alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent, nous l'avons entendu proférer, des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. C'est un témoin de Jéhovah, quoi. Vous voyez, alors c'est une secte, c'est dangereux. Vous savez, les premiers chrétiens, c'était les mieux religieux de l'époque, on dit, c'est des sectes, c'est une secte. On ne sait pas d'où ils sortent. C'est Jésus, là! Ouais, mais il sort de Dieu, tout simplement. Et quand vous sortez de Dieu, le monde religieux, il veut dire secte, toujours. En France, c'est le discours. Hein. Dès que vous n'êtes pas dans une église où ça sent l'encens, ou bien ça sent le renfermé protestant, vous êtes une secte. Ah oui, vous dérangez, quoi. C'est clair. Hein, mais je vous encourage, il faut absolument que nous dérangions beaucoup. C'est un homme de 72 ans qui vous le dit, je vais déranger jusqu'à la fin, même si on me tue, mais je vais déranger. Parce que pour moi, le royaume de Dieu passe avant le reste. Amen. Donc, voilà, verset 9 à 15, allez, on lit jusqu'au verset 15, d'accord? Alors, ils soulevèrent des hommes qui dirent, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse, mensonge, hein, mais pas fait, et contre Dieu. Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui. Absolument, on va attraper. Ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins. C'est la répétition de ce qu'on a fait à Jésus. Vous voyez? La répétition, c'est la même chose. Exactement le même système. Et aujourd'hui, c'est encore le même système. Voilà, si on veut arrêter un homme de Dieu ou un chrétien qui est bouillant, on va inventer. Je connais ça, j'ai connu des pasteurs courageux qui ont connu ça. On invente des choses pour les descendre. Ah ouais, c'est terrible. Voilà. Ils produisirent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le Dieu Saint, contre la loi, exactement les mêmes reproches que Jésus, car nous l'avons entendu dire que Yeshua, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Et pourtant, ils vont le tuer.
La leçon qu'on retire de cela, et puis la suite, vous pouvez la lire vous-même dans votre Bible, le discours d'Étienne, c'est après, hein, je dis, oui, c'est tout le discours d'Étienne. Pour leur dire, je suis bien juif parmi vous. Je connais ma Torah. Je connais l'histoire de mon peuple. Je connais ce que Dieu a fait pour nous. Je connais tout ça. La leçon de ceci, c'est que Étienne savait très bien qu'il aurait affaire à un tribunal de mauvaise foi. Il le savait. Et il savait que s'il tenait la ligne de la vérité, il le paierait de sa vie. Il le savait, il s'en doutait. Écoutez, il ne faut pas être très intelligent pour comprendre que, n'est-ce pas, on voit la répétition de ce qu'a été fait Jésus. Et voilà. Donc, Étienne, d'une façon ou d'une autre, savait que ça allait finir. Ok, le point saillant dans l'histoire d'Étienne ici, rempli du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est son courage. Étienne a appris à avoir du courage. Il a appris à avoir du courage, tout seul. Amen. Le courage. Il y a d'autres points saillants. Il est baptisé du Saint-Esprit, etc., etc. Mais ici, le Seigneur m'a montré que je devais mettre l'accent sur une qualité évidente chez cet homme, c'est le courage. C'est trop facile de dire oui, oui, le jour où il faudra choisir entre ma vie et le salut, je choisirai de donner ma vie à papa. C'est très facile, vous savez. Mais moi, j'aime autant vous dire, je suis certain, beaucoup ne le feront pas. Même certains, vous avez soutenu, je ne sais pas, des œuvres, je ne sais pas, qui soutiennent des chrétiens qui souffrent dans le monde. Vous n'êtes peut-être jamais posé la question, est-ce que moi j'aurais le courage de vivre ça? Alors vous dites, non, peut-être pas. Et puis vous arrêtez là, vous restez comme ça. Et vous ne vous dites pas, je devrais peut-être apprendre le courage un petit peu. Ok, par exemple, sortir des jupes de ma mère. Ok, le point saillant dans l'histoire d'Étienne, c'est que c'est un homme, c'est un mensch. Comment dire en yiddish, c'est un mensch. Il a du courage. Je ne vais pas parler ici du gros bras, biceps, ce n'est pas ça. Je parle du courage là, à l'intérieur, qu'il a appris. Okay. Et grâce à ce courage, il ne pouvait, ses contradicteurs, résister à sa sagesse. Quand on a témoigné hier, lundi, à cette femme, il y avait une sagesse. Dieu me dictait toutes les paroles. Il y avait presque une, c'est presque comme une mélodie. Il fallait monter là, et puis il fallait redescendre calmement, il fallait dire ceci, il fallait dire cela. Dieu savait comment atteindre cette âme. Il y avait une sagesse d'en haut, à tel point qu'on est sorti, elle était là en train de s'approcher à nous, elle avait l'arme aux yeux, après un quart d'heure. Je lui ai dit, si vous voulez rencontrer Jésus tel que je l'ai rencontré, allez dans votre arrière-boutique quand je vous quitte, mettez-vous à genoux et dites si tu existes vraiment comme cet homme l'a dit, révèle-toi à moi. Peut-être elle l'a fait, maintenant, j'en sais rien. Ici, Étienne et Dieu font, attention à ce que je veux dire, ils font un. Étienne est un avec Dieu. Absolument un avec Dieu. La preuve, c'est qu'il va suivre le même chemin de Jésus. Il va se heurter au même scénario diabolique de la part des religieux, et il va aller jusqu'au bout. Et comme Jésus a dit sur la croix, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Non, les cons, mais est-ce que vous imaginez le courage? Alors, pas toujours de l'amour de Dieu, mais l'amour sans courage, ça n'existe pas, mes amis, c'est de la blague, c'est de la rigolade. J'ai dit souvent, la foi sans le courage, ce n'est pas la foi. L'amour sans le courage, ce n'est pas la foi. C'est de la laine sur du... Oh, Jésus! Oh là là! Quand j'étais petit, je voyais les... Excusez-moi, je le dis ouvertement, les bonnes sœurs qui voulaient Jésus, on voyait sur leur visage, c'était plein de péchés, mais alors c'était... Oh, Marie, elle est bonne! Pas de courage dans tout ça! Ah oui, on vit dans une petite baraque enfermée, toute sa vie, on dit qu'on brille, oui, on brille peut-être, oui, d'accord, mais où est le courage? Il y a plus de courage à vivre dans le monde et à être un témoin du Seigneur, n'est-ce pas? Oui, je caricature un peu, mais ça fait du bien. Ici, Étienne et Dieu font un, ils sont Echad. La priorité pour Étienne, c'est Dieu. Il fait un avec lui. Il est comme Jésus. Il est comme Jésus. Écoutez bien ce que je veux dire. Étienne est comme Jésus. Il est dit dans l'Écriture,
Éphésiens 4, il a donné les apôtres, les prophètes, etc. Il a donné tout ce qu'il faut pour vous mener chacun à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ok ? Nous avons le but de Dieu, c'est de faire de nous des êtres en unité, en osmose spirituelle, parfaite avec Dieu. Absolument. Et grâce, n'est-ce pas, au même courage qu'a eu Jésus, Étienne est allé jusqu'au bout. Mes amis, le Seigneur veut vous apprendre à avoir le courage qu'avait Jésus. Vous n'avez jamais pensé à ça. Vous avez toujours dit Jésus, oh, moi, non. C'est un mensonge. Dieu veut que vous appreniez le même courage que celui qu'il avait lui, qu'il a eu lui. Vous croyez que Jésus... Quelqu'un m'a posé la question, mais une question assez bête quand même, quelque part. Pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu a dû conduire Jésus, sous-entendu, Jésus n'était pas parfait, n'est-ce pas, au désert pour être tenté? Même parce que Jésus était homme. Et Jésus nous a montré le modèle. J'ai appris le courage d'être un vainqueur. Il aurait pu fléchir dans le désert. Il était homme, vous savez. Jésus, il était Dieu, mais homme. Alors le message, c'est pour nous. Et toi, tu as appris quoi? Comment est-ce que tu résistes au diable? Amen. Voilà. Donc, Étienne a le même courage que celui qu'a eu Yeshua lui-même en tant qu'homme, n'est-ce pas, à Gethsémané sur la croix. Ah ouais. Et Dieu veut que nous ayons. Alors, la suite du verset 1 au chapitre 7, nous allons au chapitre 7, pardon, excusez-moi, du verset 1 au verset 50, je crois que nous allons pas. Oui, donc ça, c'est le discours d'Étienne, et on le connaît très bien, donc vous le lisez vous-même, hein, je ne vais pas lire parce que c'est très long. N'est-ce pas? Étienne démontre qu'il n'est pas un amateur en matière d'écriture aussi. Il n'est pas un amateur. Il a tout lu, il a lu toute sa Torah, pas la Brit Hadashah, elle n'existait pas encore, mais il connaît sa Torah. Et il va la réciter presque par cœur à tout ce Sanhédrin pour dire, voilà, ok, je vis des prodiges, et il va finir, hein, il va finir son discours en disant, mais vous, c'est au nom de Yeshua que je vis des prodiges et des miracles, parce qu'il est Dieu, mais vous, vous l'avez tué. Et là, ils vont le tuer. N'est-ce pas? Vous voyez l'histoire? Ok. Mais il leur a démontré, je suis comme vous, je connais même mieux la Torah que vous, même la Bible, je connais même mieux que vous. C'est quand même incroyable. Il y a des jeunes chrétiens, vous savez, à peine ils sont convertis, ils ont déjà mangé 10 fois toute la parole de Dieu, ils la connaissent, ils vous sortent des versets. Alors qu'il y a des chrétiens qui ont 50 ans d'âge et qui connaissent à peu près la parole de Dieu, et encore. Bien, nous allons nous attacher maintenant à un autre personnage. Voilà, donc, excusez-moi. Ok. Au final, on peut dire d'Étienne qu'il a assumé, et il a assumé la situation, n'est-ce pas? Et porté par l'Esprit de Dieu qui bénit son courage. Sans courage, vous ne pouvez pas recevoir de Dieu des inspirations de Dieu. J'appelle ça même maintenant un envahissement de la puissance et de l'Esprit qui vient de Dieu, l'Esprit Saint. Il ne peut pas vous envahir, il ne peut pas vous atteindre, parce qu'il ne peut pas se servir de vous. Si vous ne voulez pas prendre le courage, jamais l'Esprit Saint ne servira de vous. Et certains, vous vous reconnaissez là-dedans, je le sais. Soyez honnêtes, commencez à avoir du courage aujourd'hui. Vous savez très bien que l'Esprit de Dieu ne descend pas sur vous, pourtant vous savez que c'est de Dieu, mais il ne descend pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans vos vies. Il y a un domaine, vous n'avez pas appris le courage de regarder peut-être, et même certainement, une défaillance fondamentale dans votre caractère, quelque chose qui n'est pas géré, qui n'est pas réglé. Et c'est comme ça. Moi, je n'ai pas trouvé d'autre solution. Ok ? Donc, voilà, nous allons lire maintenant, vous pouvez lire du chapitre 7, verset 54 à la fin, bon, c'est l'histoire desquels. Nous allons à présent observer un autre personnage qui est d'un courage fou, qui est d'un courage extraordinaire. Il s'appelle Saul de Tarse. Entre parenthèses, c'est très intéressant que Saul, qui était un pharisien très déterminé, n'est-ce pas, se fera appeler, après sa rencontre avec Jésus, Paul. Paul, ce n'est pas un prénom juif, c'est un prénom goy. Vous savez, vous allez dire, bah, ça c'est banal. Non, ce n'est pas banal. Quand on s'appelle Saul de Tarse, qu'on est juif, pharisien, et que l'on dit, maintenant on m'appelle Paul, le citoyen romain, c'est tout un discours, mes amis.
aux yeux de tous ses pères pharisiens, de Gamaliel, qui a été son maître, qui l'a instruit, il déclare ouvertement, n'est-ce pas ? Nous n'avons pas le privilège d'être le seul peuple de Dieu. Dieu est venu pour sauver tous les hommes. C'est donc, vous ne vous, vous rendez pas compte, mais pour cet homme, parce qu'après, il ne s'appelait plus Saul. Quand on parlait de lui, c'était Paul, Paul le Romain. Voilà le courage qu'il a dû avoir, le courage moral de le faire. Ça n'a pas l'air de vous... Mais réfléchissez au contexte, au monde dans lequel il était. Il allait dans les synagogues et dit « Je suis Paul le Romain ». Quoi ? T'es pas, t'es plus le Saul, le Juif ? Non, je suis Paul. C'est, je l'ai fait exprès, c'est pour que vous compreniez quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est ton, ton histoire ? T'es plus Juif ? Si, je suis toujours Juif, mais attention. D'accord ? Voilà. Ça, c'est juste une petite parenthèse. Saul est un benjaminite viril de ce temps et il agit, n'est-ce pas, d'une façon virile. Je me donne au mien, dira-t-il, mais je me donne aussi au goyim. Et pour un juif, de, vous savez, c'était ancré tellement fort dans l'esprit des juifs que les juifs attendaient que les goyim, les non-juifs, viennent à Jérusalem pour se convertir. Il y avait une, des foules de gens qui venaient de Gaule, de tout l'Empire romain, pour venir se convertir au judaïsme à Jérusalem. Pour les juifs, il était exclu de penser autrement que le peuple de Dieu, c'est le peuple d'Israël, et les juifs, les non-juifs pouvaient juste se convertir. Et vous savez, Paul va renverser complètement la donne. C'est une révolution. Il fallait un homme d'un courage incroyable pour vivre ça. Et puis on va voir dans l'Écriture que plus d'une fois, il va être massacré, lapidé, fouetté, tout ce que vous voulez, par qui à travers les Juifs. C'est jamais même les Romains qui lui veulent du mal. Ils s'en fichent, les Romains. Ah, ce sont ses pères, dans les synagogues, qui vont vouloir lui en faire voir toutes les couleurs. OK ? Saul. Alors, c'est qui, Saul ? Eh bien, c'est d'abord un homme qui assiste au meurtre d'Étienne. L'Écriture dit, il assiste au meurtre d'Étienne. Et il est d'accord, il dit, j'approuve. L'Écriture dit, il a approuvé. Donc ça veut dire que c'est un homme qui avait ses convictions. Il était convaincu de ce qu'il faisait. Il faisait le mal, mais il croyait que c'était juste, donc il le faisait. Il était convaincu. Il n'y avait pas de flou chez Paul. Vous savez, le flou. Je rencontre chez certains hommes qui n'ont pas encore appris le courage, d'avoir du courage, qu'ils sont flous. Comme l'a dit un frère il n'y a pas longtemps, il a osé le dire à d'autres frères, à qui je disais, mais regarde comment tu te comportes aussi. Tu vois, c'est pas courageux, c'est pas bien. Et quand on te fait une remarque, tu t'effondres comme une, comme de l'eau qui coule. Tu supportes pas. La susceptibilité est le signe des hommes faibles. Écoutez bien ce que je vous dis. Il y a trop de chrétiens susceptibles, on peut rien leur dire. Au nom de l'amour, on peut pas leur dire la vérité. C'est le signe qu'ils sont faibles. Celui qui a pris le courage, il peut recevoir calmement les reproches que Dieu lui fait ou que son entourage lui fait. Il ne se choque pas. Et j'ai vu des chrétiens, cet an dernier, qui faisaient manifestement des choses qu'ils n'avaient pas le droit de faire, par faiblesse, par superficialité de comportement. Et alors... quand on le leur dit, ils bottent en touche. Ils inventent un truc, pour... c'est pas tout à fait de ma faute, ce genre de... Et un frère qui était présent a dit, écoutez, moi, j'ai senti qu'il y avait un ras-le-bol chez lui, parce que lui aussi était concerné par ça très longtemps, il a dit, écoutez, moi je vais vous dire la vérité. Vous savez ce qu'on fait toujours ? On botte en touche dès que Dieu nous reproche quelque chose. On ne le supporte pas. Et c'est vrai, vous ne supportez pas parce que vous êtes faible, parce que vous n'êtes pas... courageux. Paul est un homme déterminé. Il n'y a pas de flou artistique chez lui. Ou de flou tout court. Le flou artistique, c'est parfois une bonne chose. En art, mais le flou dans la vie, c'est très mauvais, n'est-ce pas ? Il y a trop d'hommes flous et de femmes floues. Les chrétiens, je trouve, de plus en plus sont flous, irrésolus. Ils flottent de ci, de là, au fond, avec les apparences, le discours chrétien, mais en extérieur, ils font penser à de la lave. Vous savez, la lave, quand elle sèche,
il y a une petite croûte solide, mais en dessous, c'est liquide. Et dès que vous touchez un tout petit peu, c'est fini. Vous découvrez que c'est du liquide. Il n'y a rien de solide, il n'y a rien de déterminé. J'espère que ça nous parle, ce soir. Ça nous parle. Sont les résolus. Il est de bonne foi. Il a étudié la Torah avec Gamaliel. C'est un homme intelligent. Et il y a des gens intelligents qui sont des lâches, vous savez, beaucoup. Mais lui, en plus, il y croit. Je lui dis, bon, j'y crois, donc les chrétiens, il faut les combattre, il faut les enfermer, il faut les tuer, il faut les détruire. J'approuve le meurtre d'Étienne. Il est cohérent, Paul. Et je vais vous dire une chose, c'est un homme déterminé, et c'est précisément pour cela que Dieu va le choisir pour faire de lui un des ministères les plus féconds qui soient, parce que Dieu sait, celui-là, quand je le retourne, je sais qu'il ira jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Si nous lisons le chapitre 9 et le verset 15 dans les Actes, nous voyons, comprenons tout de suite, n'est-ce pas, verset 15, hein, le verset 15, voilà, lisons ensemble. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Donc Dieu a choisi Paul pour porter son nom devant les nations. Pourquoi? Paul, il avait des gènes particuliers, je ne sais pas moi, pour aller porter le nom de Dieu vers les nations. Non, mais il avait du courage. Pour Paul, le juif, pas le juif, le benjaminite, israélite, orthodoxe, vous ne vous rendez pas compte, aller dans les nations, parmi les juifs qui l'ont chassé, dans un aéropage en Grèce, où on s'est fichu de sa foi, ou vers les goïms, etc. Mais le courage qu'il a fallu à cet homme, le ministère de Paul a duré une vingtaine d'années. Et puis on l'a tué. Vous savez ça? On l'a tué, hein? Mais quel courage il a eu. Essayez d'imaginer le contexte dans lequel Paul s'est démené. Il a traversé des tempêtes, il a tout vécu. En 20 ans, il a vécu plus de persécutions que n'importe lequel d'entre nous. Dieu savait qu'il était un homme, il pouvait compter sur lui. Est-ce que Dieu peut compter sur moi? Voilà la question que je dois me poser aujourd'hui. Ou est-ce que je suis encore dans les jupes de ma mère? Ou est-ce que je suis encore un gars qui est en parole? Comme Pierre, oui, je vais tout faire, je vais tout faire, je vais tout faire. Au moins Pierre, il a trahi le Seigneur et il a vu qui il était. Mais je connais les chrétiens qui font les pires choses, je dis bien les pires. Et puis, mais pardon, je ne le ferai plus, maman. Oh. Et puis, il recommence le lendemain. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas trouvé le courage de regarder qu'ils sont lâches, ou bien égoïstes, ou bien orgueilleux, ou envieux, ou qu'est-ce que je sais, moi, tout ça. Et alors, ils restent tels qu'ils sont. Parce que, vous comprenez, il y a la grâce de Dieu. Dieu pardonne tout. Ah, d'accord, tu peux. Oui, Dieu pardonne tout. Mais le problème n'est pas là. Est-ce que nous sommes vraiment certains que nous plaisons à Dieu? Au fond, la question de notre vie, c'est quand même de savoir, pas seulement qu'on est sauvé, qu'il y a la grâce de Dieu, que Dieu peut nous bénir, qu'on peut lui demander tout ce qu'on veut, il est dans l'Écriture, hein, tout ce qui est légitime. Mais est-ce que c'est ça le but? Est-ce que le but, c'est peut-être pas de se demander, et moi, est-ce que je plais à Dieu? Comment est-ce que Dieu me voit? Comment est-ce que Dieu me regarde? Qu'est-ce qu'il fait? Paul, c'est un homme résolu, etc. Et on peut voir, on peut lire donc dans le rempli de zèle, au chapitre 9, au verset 1, eh bien, à cause de ça, Dieu l'a choisi pour porter le nom de l'Éternel, s'il vous plaît. Il ne dit pas, il dit même pas l'Évangile, du salut, tout ça. Il dit pour porter mon nom, le nom même de Dieu, il va le porter. Ça veut dire quoi? Il sait que ce Paul-là, et c'est ce qui va se passer, à peine converti, il part 3 ans dans le désert d'Arabie. Qu'est-ce qu'il va faire là? Manger des sauterelles? Il va chercher l'intimité absolue avec Dieu. Il va prier, il va chercher, il dit, Seigneur, ma vie maintenant c'est à toi. Toi et moi nous sommes un, Jésus. Tu m'as apparu sur le chemin de route de Damas. C'était toi. Alors je ne te lâche pas. Il fait comme Jacob, je te parlais de Jacob la semaine dernière, n'est-ce pas? Jacob, je ne te lâche pas, tu m'es béni. D'accord, je te casse la hanche. Mais maintenant, je suis avec toi. OK? Et Dieu a cassé la hanche de l'apôtre Paul au désert d'Arabie, croyez-moi. Il a montré qu'il était faillible aussi. Mais il est venu un avec Dieu parce qu'il a dit, je persévérerai quand même. Je sais que je suis nul,
avec tout ce que je crois être ma force, tout ça, mais sans valeur. Mais je vais persévérer, et je veux être un avec toi, Éternel. S'il vous plaît, frères et sœurs, si nous ne cherchons pas à être un avec Dieu, nous sommes juste des amateurs. C'est terrible d'être un amateur dans la matière. Vous devez chercher, malgré vos défauts, malgré vos manquements. J'ai cherché dès avant ma conversion, je cherchais Dieu. Et après ma conversion, le Jésus et le Dieu de gloire qui s'est présenté à moi, j'ai dit, je ne peux pas le laisser aller comme ça. Je lui ai dit, je ne te lâcherai pas, que tu m'aies béni. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ça. Le Seigneur n'avait pas ça, n'avait pas ce désir. À quoi sert d'être chrétien? Ça sert à rien. Voici peu de choses. Dieu sait qu'il ira loin, Paul, et il ira surtout jusqu'au bout. Lisons ensemble, chapitre 9, versets 1 à 6. Chapitre 9, verset 1. Cependant, Saül, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples, etc. Je vais essayer d'abréger parce que il y avait beaucoup de versets aujourd'hui. Voilà. Oui, alors c'est l'épisode où Saül va à Damas, à cheval, n'est-ce pas, avec une équipe de soldats pour enfermer les chrétiens. Et puis sur la route, il est renversé sur son cheval. Et n'est-ce pas, qu'est-ce que Jésus lui dit? Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est tout. Sa prédication de l'évangile, ça s'est arrêté à ça. Hein. Il n'a rien entendu d'autre. Rien. Il n'a pas fait une cure d'âme pendant 10 ans. Non. Il a compris que Dieu était là. Et ok. Fini, terminé. Je commence une nouvelle vie. Oui, comme ça. Pourquoi est-ce que ça a été possible avec lui? Parce que cet homme qui persécutait les chrétiens, Dieu savait. J'ai dit un jour à un frère dans l'œuvre, toi, t'as un sacré caractère de rebelle, mais le jour où Dieu t'aura brisé, tu vas voir, tu vas être un homme fantastique pour le Seigneur. Et je suis sûr que c'est le cas. Dieu préfère un bandit résolu parce qu'il croit à ce qu'il fait. J'ai connu des grands bandits, j'ai connu deux grands bandits qui sont convertis. Ah, c'était pas des enfants de cœur, hein. Ah, c'était pas des amateurs, hein. C'était des gars, ils étaient courageux. Et le jour où ils se convertissent, Dieu les utilise de façon extraordinaire. Je vous assure, je vous assure. Dieu sait qu'il ira jusqu'au bout. Nous pouvons lire encore 9 versets 18 à 21, par exemple. Pardonnez-moi, je cherche mes références dans ma Bible. Voilà, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Vous vous rendez compte? Paul rencontre Dieu sur la route de Damas. Ah non, c'est un peu après, pardon. Lorsque, n'est-ce pas, Ananias viendra prier pour lui. Ananias, qui est juif. C'est Corneille qui n'est pas juif. Hein. Ok, on va avancer parce que, voilà, je me suis un petit peu... égaré mais enfin, vous avez compris. Voilà. Alors, au chapitre 9, verset 15, regardez ce qui est écrit, c'est extraordinaire. Là, ici, Dieu parle à Ananias, si je ne dis pas bêtise, hein. Oui, et il dit à Ananias, va vers cet homme, donc Saul, pas encore Paul, hein. Et car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Dieu le choisit, mais pourquoi est-ce que Dieu le choisit? Parce qu'il sait que c'est un homme déterminé. C'est un homme de courage. C'est un mensch. Il n'y a rien à voir avec le christianisme européen d'aujourd'hui et américain. J'ai honte parfois. Vous savez, je reçois des mails d'un site américain qui met en garde contre une génération, mes amis, de presque malades mentaux qui prêchent aujourd'hui. Non, je ne les exagère pas. Hein. Des gamins, des gars qui n'ont qu'un désir, c'est le succès, le fric et être idolâtré comme des super serviteurs de Dieu. Il y en a plein aujourd'hui. Mais quand vous les mettez au pied du mur, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors ils finissent par prêcher maintenant des trucs inouïs. Un jour, un de ces gamins a prêché, j'ai vu le message. Jésus m'est apparu, il m'a dit, je te demande pardon parce que je n'ai pas suffisamment fait ce qu'il fallait pour te sauver. Mais toi, tu as du courage. Vous vous rendez compte?
Le gendarme, mais c'est horrible. Et il croit en ce qu'il dit. C'est un sale gosse, pourri gâté, par une société de consommation abominable. Et puis, ce mec-là, il dit, voilà, j'ai un appel pour servir Dieu, et il vous sert ce genre de choses. Ce n'est pas rare aujourd'hui. On a affaire à des hommes, si on faisait, ils tombent. Ils tombent. Il y a des hommes, on n'ose même plus en parler aujourd'hui. Ils tombent tout de suite. Ils sont complètement liquides. Je pense à la génération avant moi. Oh là là. Ça fait peur. Hein. Ok. Donc, car Dieu sait que Saul peut supporter tout ce qui va lui arriver. Et même, vous croyez que peut-être même le cher Ananias, là, à qui Dieu dit voilà, j'ai choisi pour prendre mon nom devant la nation, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. En plus, dès le début, quand Paul va au désert d'Arabie, c'est seulement ce que Dieu lui dit. Tu sais, je vais te montrer tout ce que tu vas souffrir. Tu continues? Oui, je continue. Ça, c'est un homme. Vous voyez? Ça, c'est ça. Ok, on continue. Une des raisons de la pauvreté de beaucoup de nos vies dites de chrétiens aujourd'hui, c'est en fait que nous ne serions pas capables de supporter ces invasions puissantes de Dieu dans nos vies. Ah, vous voulez tous vivre des choses avec le Saint-Esprit. Et pourquoi vous n'en vivez pas? Il vous manque quelque chose pour ça. Il vous manque quelque chose. Oui. Ainsi, à vous de chercher, à vous de trouver. À vous de trouver. Il y a quelque chose qui vous manque. Pour Saul, on connaît la suite de ce qui va être. L'invasion de Dieu dans sa vie, avec toute la puissance de Dieu, eh bien, on lit la suite et on comprend. Et ça me rappelle toujours cette parole d'un vieux pasteur anglais. Lorsque j'étais un jeune chrétien, on voyait que j'avais été doté par le Seigneur, c'est vrai, de beaucoup de choses de l'esprit. Bon, très bien, ok, je témoignais, j'avais le discernement, des paroles de connaissance, je n'étais ni pasteur ni rien du tout. Et le pasteur m'a dit un jour, c'est formidable, il m'a dit, tu as beaucoup reçu de Dieu, mais fais bien attention, ce n'est pas comment tu commences qui compte, mais comment tu finiras. Waouh, quand il m'a dit ça, j'étais quand même un garnement avant ma conversion. Hein. Je n'étais pas si fort que ça. Hein. Oh là là, ça m'est rentré dans la poitrine comme un avertissement solide. Je dis, oh là là, ça, je dois faire attention à ça. Et effectivement, si je n'avais pas appris le courage à travers tout ce que j'ai vécu, j'aurais arrêté. Vous savez qu'il y a des serviteurs de Dieu qui arrêtent le ministère. Et ce n'est pas parce qu'ils ont péché, hein. C'est parce qu'ils n'en peuvent plus. Et pourtant, Dieu nous demande d'aller jusqu'au bout, mes amis. Amen. Et ce qui est vrai pour les hommes de Dieu est vrai pour tous les hommes de Dieu, c'est nous tous. Une des raisons de la pauvreté de beaucoup de nos vies tient en fait que nous ne serons pas capables de supporter ces invasions puissantes de Dieu dans nos vies parce que nous n'avons pas pris le courage d'aller en face ce qui n'allait pas dans nos vies, tout simplement. Pour Saul, je l'ai dit, voilà. Donc, leçon autour de ces hommes courageux et de ces femmes aussi qui priaient, il y a quoi dans l'Écriture? Un climat de surnaturel permanent. La gloire de Dieu est là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils sont dans un esprit de réveil permanent. Oui, alors, qu'est-ce qu'on a écrit des livres sur le réveil? On ne devrait pas dire de réveil. On devrait être en éveil permanent. L'Église devrait être remplie de gens éveillés en permanence. Il n'y a pas besoin de lire des livres sur la puissance de Dieu, les miracles, etc. Si vous êtes courageux, vous laissez Dieu vous montrer le pauvre personnage que vous êtes, et puis apprendre comme Pierre à aller de l'avant quand même, et puis croire dans le Dieu qui est plein, oui, alors plein d'amour pour vous, pour vous rendre fort. Vous n'avez pas à chercher la puissance de Dieu, elle viendra toute seule. Les situations seront là, et vous pourrez faire des choses aussi glorieuses que ce que faisait Étienne, que faisait Paul, que faisait Jésus lui-même, oui. D'ailleurs, Jésus a dit cette phrase inouïe, « Vous ferez des plus grandes choses que moi. » Vous rendez compte? Vous rendez compte de la responsabilité que nous avons? Pourquoi Jésus a dit une chose comme celle-là? Il n'a pas dit « Restez bien tranquille dans vos églises. Hein. Vous êtes appelés à faire des choses plus grandes que moi. » Waouh. Ça fait réfléchir quand même. Voilà. Ok, donc, formidable.
Donc il y a un climat permanent. Relisez tous ces chapitres des Actes, ça, depuis la Pentecôte, ça n'arrête pas. Puissance de Dieu, pour tous. Philippe l'évangéliste, lui, il a un réveil, n'est-ce pas, en Samarie, l'Esprit de Dieu lui dit, parce que ces gens-là savent entendre l'Esprit de Dieu, ils sont en connexion, hein. Va sur la route de Gaza, il dit, qu'est-ce que je vais faire à Gaza? Il n'y a rien à Gaza. Rien. Mais il ne discute pas, il va à Gaza. Il rencontre, nous savons qui, hein, l'émissaire de la reine d'Éthiopie qui était venu à Jérusalem parce qu'il était prosélyte, il voulait se convertir certainement, et on connaît la suite. Il ne comprend pas le passage d'Ésaïe, Philippe lui explique tout, hein, et le gars il comprend tout, et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui empêche que soit baptisé? Vous voyez, tout de suite, paf, 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 pas de problème. Et puis la Bible nous dit, hé Philippe, disparu. Il est allé où? On ne sait pas. Il est retourné peut-être dans les airs, en Samarie. On est dans le surnaturel, sans arrêt, ça n'arrête pas. Alors on n'est plus surpris quand Raïm vous raconte qu'il a prié en langue pendant 8 heures d'affilée sur la route en venant de Vichy, un jeune chrétien à l'époque, et qu'en plein milieu d'une forêt, dans les Ardennes françaises, Dieu a créé une pompe à essence pour lui et pour sa bagnole, et les témoins qui étaient dans la bagnole, parce que j'avais plus d'essence dans ma voiture. Mais ça faisait 8 heures qu'on priait en langue et qu'on louait Dieu dans la voiture, sans arrêt, sans arrêt. On était en communion, on voulait rester avec Dieu tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, l'invasion de la gloire de Dieu se fait. Magnifique. Moi, j'aime bien être envahi par la gloire de Dieu, je trouve ça extraordinaire. Pas la gloire de Père Lapinpin, la vraie de vraie. Elle est à la portée de tout le monde. Amen. Voilà. Philippe, en Samarie, je vous l'ai dit. Alors, vous allez lire chapitre 8, versets 26 à 39. Allez lire ça dans vos bibles. Du point de vue surnaturel, c'est quand même pas peu de choses qu'arrive à Philippe. Et puis tout le reste aussi. Hein. C'est extraordinaire. Question. Messieurs, mes frères, je m'adresse d'abord aux hommes. Hein. N'êtes-vous pas interpellés, voire un peu fatigués, d'entendre des témoignages surnaturels dans la vie d'autrui? Je suis désolé, je le dis en toute franchise. Vous avez entendu mes témoignages depuis certains 18 ans. Vous en avez fait quoi? Vous vous êtes pas posé la question pourquoi ça n'arrivait pas? Vous savez même un petit peu parfois. Ouais, une petite guérison, des choses comme ça. Et puis ça s'arrête. Ça fait flop. Plop, 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 plop. Pourquoi? Vous avez le choix, mes amis. Vous avez soit l'aveu passif de la défaite permanente, ou le choix de devenir des hommes et entrer dans une toute autre dimension. C'est vous. En d'autres mots, si vous ne voulez pas avoir le courage à prendre le courage, vous serez révélé, c'est le sens du mot Apocalypse, vous serez révélé comme des lâches. L'Écriture dit, ah, je suis désolé, moi, je lis la Bible, les lâches n'entreront pas. Alors, je n'ai pas dit que vous n'allez pas être sauvés, mais vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu, le royaume de sa puissance, le royaume de son règne. Alors c'est triste quand même, passer toute une vie chrétienne comme un brave petit chrétien qui est resté dans les jupes de sa mère et qui fait des bêtises et puis qui se répond, gna 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 gna, pardon Seigneur, et qui ne rentrera jamais, jamais dans les beautés du royaume de Dieu, de la puissance de Dieu. C'est dommage quand même. Voilà. Je compte pour ma part rester vivement aligné sur cette ligne du courage qu'il faut apprendre, réapprendre, qu'il faut réactiver tous les jours de sa vie, même quand on est fatigué. Un autre exemple glorieux, je terminerai avec celui-là, n'est-ce pas, qui est typique d'un climat de réveil. Nous lisons dans Actes 10, du verset 1 à 35, je ne sais pas si je vais lire tout, mais quand même une bonne partie. Il y avait à Césarée un homme nommé Cornet, centenier dans la cohorte italienne. Un centenier, c'est un officier romain qui commandait 100 hommes. Donc c'est un romain. Donc il est à Césarée. Césarée, c'est au nord-ouest d'Israël, c'est un port que Hérode avait agrandi pour faire plaisir aux Romains. Il est là, il a une caserne, il a 100 hommes. Mais cet homme était pieux et craignait Dieu. Vous voyez, c'est un païen, c'est un goïm, c'est pas un juif. Il était craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Et il... oh, mais rendez-vous compte ce qui suit là. Il priait Dieu continuellement. Mystérieux, ce gars. C'est quoi ce Romain là? On ne sait pas s'il a lu la Torah, on ne sait rien du tout. Voilà un homme de courage, de vrai et grand courage,
Il sait qu'il y a un Dieu. Il ne sait pas où il est, il ne sait pas qui il est. Et il le prie, il le cherche. Ça, c'est un mensch. Ça, c'est un homme. Vous savez, beaucoup d'entre vous, d'entre nous, nous sommes rentrés un jour dans une église parce qu'on nous a invités, on nous a dit, tu sais, c'est bien, c'est une bonne église, tu verras. On est entrés. Je me rappelle d'une sœur que nous avons connue il y a des années, qui est venue vers nous et nous l'avons accueillie, etc. Et elle avait des problèmes démoniaques énormes. Je lui ai dit, mais attends, alors elle avait fait des trucs occultes, etc. etc. Mais je lui ai dit, mais quelque chose de bizarre, une chrétienne qui amène encore des puissances démoniaques autour d'elle. Et je lui ai demandé, mais tu t'es converti où et quand? Parce qu'elle avait été dans une église. Ah ben, un jour j'en avais marre d'être catholique. Alors je voyais bien que ça tournait en rond, je m'ennuyais. Alors je connaissais une copine, elle m'emmenait dans une église évangélique et je me suis assis, je trouvais que c'était bien. Je lui ai dit, après rien, le pasteur il m'a demandé si j'étais baptisé parce qu'il y avait une séance de baptême pour 15 personnes 10 jours après. Et j'ai dit, non, je ne suis pas baptisé comme vous, là, non. Ah ben ok, on vous baptise. Et j'ai dit, pasteur, il t'a demandé si tu étais converti ou pas Ah non. C'est quoi ce pasteur-là? On est où, là? On est dans quelle histoire, là? C'est honteux, n'est-ce pas? Alors nous avons amené cette femme vraiment au salut. Et rien de plus difficile d'amener au vrai salut une personne qui croit être sauvée et qui ne l'est pas. Croyez-moi que ce n'est pas facile. Parce que les gens, ils s'accrochent à leur truc. Même s'ils ne sont pas sauvés, ils croient qu'ils sont, ils ont peur de lâcher leur faux salut parce qu'ils l'ont fabriqué eux-mêmes. Ou ils y ont cru, on leur a fait croire. Après, vous devez leur dire, c'est tout faux. Tu dois abandonner ça et tu dois découvrir que tu es pécheur perdu et que seul Jésus peut te sauver. Eh bien, vous pouvez y aller, hein. J'ai mis 18 ans avec certains chrétiens que j'ai dans l'œuvre pour les amener à une véritable... pas 18, 18 moins 2 ans, pour les amener à une vraie conversion. Waouh! Alors, moi, en tout cas, là, je me pose des questions sur l'absence de courage profond de certains serviteurs, vous savez. Il faut le dire ouvertement, ok? Voilà, donc, nous avons ici Corneille, là, ce Corneille-là. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit... Alors, tous les évangéliques vont dire, mais c'est pas possible, il devait être sauvé en Jésus pour qu'un ange vienne le trouver. Ah non, lisez dans la Torah, vous verrez qu'il y a beaucoup d'anges. Moi, j'ai eu des anges qui m'ont sauvé la vie et qui sont manifestés à moi avant ma conversion. Ne serait-ce que pour me dire d'arrêter de faire certaines choses qu'ils ne voulaient plus que Dieu, voulait plus que je fasse. J'ai connu ça avant ma conversion, bien sûr. Et voilà, un ange vient, il entre chez lui, il lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et c'était Dieu, hein, à travers l'ange. Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Tes prières, les prières d'un Romain qui n'est peut-être même pas encore sauvé en Jésus. Peut-être même pas encore sauvé. Mais Dieu lui dit, ah, attendez, il y a des prières des païens que Dieu écoute? Oui. Est-ce pour ça qu'ils sont sauvés? Non. Il y a des prières de chrétiens que Dieu écoute? Non. Et pourtant ils sont sauvés. Il faut réfléchir. On voit maintenant des hommes à Joppé, dit l'ange de Dieu, et fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur, dont la maison est près de la mer. Alors, c'est un centenier romain, et Dieu lui dit, tu envoies chez Pierre, un certain Pierre. Donc, c'est bien la preuve qu'il ne connaît pas Pierre. Il sait que c'est un juif, c'est tout. Il se doute que c'est un juif, mais ce n'est pas que c'est le grand apôtre Pierre. Autrement, il dirait, on va vers mon serviteur Pierre. Il dit, ben, vers Simon surnommé Pierre. Donc, je te donne des indications d'identité. Hein? Il vit pour le moment chez un certain, là, etc., Corroyeur. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, l'homme des Romains. Et après leur avoir dit, tout raconté, il les envoya à Joppé. Okay. Le lendemain, comme il était en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit. Alors, vous connaissez la suite. Donc, en fait, Pierre, le lendemain, alors que les autres sont en route, de la part d'un Romain, d'un non-juif, voyez le courage de ce Romain. Le Romain ne sait pas que Dieu va donner à ce Pierre une vision, la fameuse vision des animaux impurs qui descendent du ciel. Vous voyez, tout ça,
Il y a une collaboration entre ce Romain, il ne sait pas à quoi il va collaborer. Et ce qui va arriver à Pierre. Alors Pierre, c'est pas, va voir les animaux impurs et l'Esprit de Dieu va lui dire « Pierre, tu es mange. » Pierre va dire « Mais j'ai jamais mangé impur, je ne peux pas. » Alors c'était une image, bien sûr. Alors on peut discuter, on doit discuter sur certaines choses, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est une figure, n'est-ce pas, très forte d'un message que Dieu envoie à cet Israélite, Pierre, qui était convaincu que le salut, c'était pour les Juifs, puis c'est tout. Oui, tous les Juifs pensaient ça. Les premiers Juifs qui croyaient en Jésus ont eu des problèmes avec ça. Ils ont tous eu des problèmes. On ne va pas vers les Goïms. La loi nous interdit d'entrer même chez eux. On va se souiller. Et donc, voyez, c'est un centenier romain qui se sait méprisé, quelque part, par le Juif qu'il va chercher. Alors, regardez le courage de ce Corneille. Il ne sait pas ce que ça va donner, son histoire. Il courait le risque que Pierre lui réponde, c'est ce qu'il pensait, qu'il m'envoie sur les roses, « Mais qui es-tu, toi? Tu viens me convoquer dans ta maison, mais tu es un Romain, je ne peux pas aller chez toi, tu es impur. » Eh bien non, il a du courage, ce Corneille, beaucoup de courage. Vous voyez qu'il n'a pas de cousine, mais c'est un centenier, mais c'est un homme bon. Il ne se serait pas vengé sur Pierre. C'est un homme bon. Donc il a risqué l'humiliation, il a eu beaucoup de courage. Et beaucoup, beaucoup de chrétiens, ça m'est arrivé une fois où Dieu m'a demandé de faire une chose, de rentrer dans une synagogue et de lire Ésaïe 53. J'étais jeune, hein, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas eu le courage. Maintenant, j'ai appris, la prochaine fois, tu dois avoir le courage, tu le fais. C'est dans les échecs qu'on apprend aussi. Mais ce centenier, ce Romain-là, il a eu du courage, mes amis. Où est-ce qu'il a appris le courage? À l'armée. Je vous le dis entre nous, vous les jeunes, là, qui n'avez fait aucun service militaire, j'ai fait une année d'armée, je me suis enquiquiné à mort, mais mon courage a été testé, là. Parce que quand on vit en trompe pendant une année, votre courage... Où vous en êtes réellement, c'est... Si vous n'avez pas de courage, vous évitez la risée de tout le monde. Hein. Ouais, je pourrais vous donner des exemples. Et vous n'avez même plus de service militaire. Alors vous dites, qu'est-ce qu'il nous prêche? Il faudrait rétablir un service militaire pour les chrétiens. Mais moi, je vous dis que ce centenier, il a pris le courage. Dans la vie, il a appris le courage. Il y a des officiers armés qui sont des lâches. Oui, j'en ai connu. Et je connais les sous-officiers. J'ai connu moi, un sous-officier qui était un homme de courage. Et j'ai connu un colonel qui était un pauvre type. Oui, bien sûr. Il lisait Playboy toute la journée dans son bureau. Ils appelaient ça la chef, ça. C'est tout ce qu'il faisait. Il faisait des promesses aux soldats, il ne les tenait pas. Oh, ça c'est fini, terminé. Vous savez, dans la caserne, on a vite compris. Hein. C'est un pauvre type, le colon. On le salue parce qu'il faut bien, mais... On te méprise. Puis si tu vas à la guerre avec un homme comme ça, tu ne vas pas te faire tuer pour lui. Hein. Non. Par contre, l'autre là, qui est un mec qui a du courage, bon, moi je pensais, si un jour il y a la guerre, je le suis jusqu'au bout. Hein. Parce que lui, non. Ah oui, le courage, ça s'apprend. Ça s'apprend. Voilà. Donc, vous lisez toute la suite. Hein, donc, voilà. Donc, Pierre va comprendre. Voilà, etc., etc. Tandis que Pierre ne savait pas, donc je parle maintenant de la vision que Pierre a eue, dans le même temps, etc., ne savait pas que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici, les envoyés de Corneille sont là. Ils viennent lui dire, Corneille, notre maître, nous demande de t'amener. Et écoutez. Donc, verset 19. Et comme Pierre réfléchissait à la vision qu'il avait eue, l'Esprit lui dit, voici trois hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Voilà que Pierre, le juif intransigeant, Dieu peut lui dire, c'est moi qui les ai envoyés, c'est Goï, là, c'est Goïm, c'est soldats romains, c'est des soldats de Corneille. Et alors ça s'enchaîne. Et Pierre va aller, et il va, pour la première fois, se rendre compte que le salut est autant pour les non-juifs que pour les juifs. Mais le courage de Corneille, le courage de Pierre, parce que là, il se met en défaut avec tous les juifs.
même ceux qui ont cru en Jésus de l'époque. Et plus loin, on voit que Pierre, voilà, on le voit, va devoir se justifier devant les Juifs. C'est, vous lisez dans la suite. Voilà. Au chapitre 11, les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis, des Juifs, lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez des saints circoncis et tu as mangé avec eux. » Donc des Juifs circoncis qui avaient cru en Jésus lui ont dit « Tu es allé toi dans une maison d'incirconcis et tu as mangé avec eux. » Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit « J'étais dans la ville de Joppé et pendant que je priais, je tombais en extase et j'ai eu une vision, un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi les regards fixés sur cette nappe. J'examinais, je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel et j'entendis une voix qui me disait « Lève-toi Pierre, tue et mange. » Mais je dis « Non Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. » Dans ma bouche. Et cela arriva jusqu'à trois fois, puis tout fut retiré vers le ciel. Et voici aussitôt trois hommes envoyés de Césarée vers moi, sous-entendu par Corneille, un Romain, un soldat, un général romain. Voilà. Eh bien, se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Vous voyez, des hommes de courage. L'Esprit de Dieu peut leur parler et faire des choses invraisemblables. Mes amis, la véritable prédication du salut, elle vous mettra devant des circonstances invraisemblables. Vous verrez une femme, où il est marqué « ni Dieu ni maître », un quart d'heure après, elle est quasiment sauvée. C'est invraisemblable, ça n'a pas de sens. C'est toute sa vie qui a été bousculée en un quart d'heure. Toute sa vie, le péché, toutes ses normes, elle ne nous a jamais dit un mot de travers. Elle a dit, je vois bien que vous n'êtes pas des gens religieux, il y a autre chose de second. En un quart d'heure, la puissance de Dieu a agi. C'était invraisemblable. Si je l'avais abordé gentiment, qu'est-ce que vous... C'était fini d'avance, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas la tirer de là. La puissance de Dieu peut. Mais il faut le courage, mes amis, le courage, le courage, le courage. Je vais vers la fin du message, voilà. Donc, croyez-moi, n'est-ce pas, ce qui se passe là, ce que je viens de vous lire, c'est une révolution. C'est une révolution. Dieu commence à lancer à l'époque un message aux Israélites. Je ne vais pas dire les Juifs, parce que les Juifs, c'est la tribu de Juda. Il n'y avait pas que des Juifs. Paul était de la tribu de Benjamin. Donc, on va dire Israélite. Va apprendre l'Israélite, c'est fini. Vous avez reçu la loi. Tout ça, c'était l'ombre des choses à venir. Maintenant, il faut que vous sachiez une chose, c'est que le salut est pour tous les hommes, et pas que pour vous. C'était une révolution, mes amis, vous ne vous rendez pas compte. Même Pierre va encore chuter un petit peu. L'épisode où il va aller manger avec les Juifs cachés et puis avec les non-Juifs pas cachés. Vous vous rappelez l'épisode, là, où Paul va devoir le reprendre et lui dire, putain, qu'est-ce que tu fais, là? On a très bien compris le message de Dieu. On a très bien compris que, et jusqu'à aujourd'hui, même parmi les Juifs messianiques, il y en a qui rêvent d'être un peuple à part. Non, vous n'êtes pas à part, messieurs. Vous êtes plein d'orgueil. Vous rebâtissez le mur que le Seigneur a abattu. Vous êtes ridicule. Et je veux vous dire, le fond de tout ça, c'est que vous n'êtes pas des hommes faits. Vous êtes des gamins qui jouent avec vos apparences. Moi aussi, j'ai un talit, j'ai une kippa. Mais je peux la retirer, là. Je m'en fiche. OK? C'est parce que Dieu m'a dit de la garder, je la garde, c'est tout. OK? Parce que j'ai peut-être un rôle à jouer auprès de... des Juifs, ok. Mais arrêtons, s'il vous plaît, le cirque religieux. Ça vaut rien, mon Dieu. Ça n'a aucune valeur. Aucune. Voilà. Croyez-moi, une révolution spirituelle, n'est-ce pas? Et là, grâce à des hommes de courage. Le courage produit des êtres qui, sous la gouverne de Dieu, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, n'ont pas peur d'être bousculés. Ok? La vie est lancée à tous nos tièdes, à toutes nos tièdeurs, frères et sœurs, à nos petits plans, plan, rataplan, vos petits plans. Arrêtez avec vos petits plans. Moi, je suis dans une église, le pasteur, il a un plan. Et toi, l'Esprit de Dieu, t'as laissé un plan depuis longtemps. Hein. Alors, ton plan, rataplan, allez.
C'était dans Tintin, ça. C'était, comment il s'appelait? C'était le chien Lucky Luke, grand en plan. Hein. Bête et soumis, vous voyez ce que je veux dire? Lucky Luke disait, lève-toi, il se lève, il couche-toi, il se couche. Il y a des critères comme ça, ils ont dit, c'est ça. Et ça. Ah oui, j'ai pas peur de. Faut qu'on a le courage de se manquer un peu, vous savez. Parce que c'est la vérité, nous le savons, c'est la réalité. Oh, je vais faire des ennemis, mais ça fait rien. Voilà, donc, mes amis, je vous laisse relisez donc tous ces chapitres dans le livre des Actes. Et vous vous rendez compte qu'il y a un mix formidable de la puissance de Dieu en action, tous les jours, sans arrêt, au travers de quoi? D'hommes qui ont appris le courage et qui ont commencé par se regarder quels qu'ils étaient. Pierre sait qu'il est faillible, il le regarde en face. Il ne fait pas comme beaucoup de chrétiens, j'entends, « Oh, j'ai encore raté, oh là là, je n'y arriverai jamais, ah, oh, j'ai... » Ils sont tellement gamins, tellement susceptibles, ils ne supportent pas d'échouer, mais vous échouez, c'est très bien. Regarde ton échec en face, et puis repens-toi, mais se repentir dans ce cas-là, c'est... Il faut au moins regarder son péché en face. Mais beaucoup de gens, lorsqu'ils pêchent, ça les dérange. Ah zut! Ah ben zut alors, j'ai encore péché. Ah, ça va encore... Me... Voilà, zut, moi qui espérais être parfait. Mais c'est des ambitions de gamin, tout ça. C'est ridicule, vous êtes minable. Vous croyez que Dieu va vous rendre parfait parce que vous appartenez à une religion, vous suivez tel homme de Dieu, ou qu'est-ce que c'est que l'autre. Mais c'est ridicule, il faut arrêter avec tout ça. Devenons des hommes et des femmes. Disons, Seigneur, je me place devant toi, il y a des choses dans ma vie qui doivent être affrontées avec courage, montre-le-moi. Si jusqu'à présent nous avons louvoyé beaucoup, hein, alors, donne-moi à Dieu. Et mes amis, cherchons à devenir un avec l'Éternel. C'est le sens profond de ce que Yeshua a fait pour nous à la croix. C'est devenir un avec l'Éternel par l'Esprit de Dieu. Amen. Voilà. Je vais peut-être vous lire rapidement, et je vais terminer là-dessus. Comme par hasard, je suis allé voir dans le Spurgeon. Vous voyez, j'ai un Spurgeon qui m'a été offert par un pasteur en Belgique il y a... 40 ans, à peu près. Et qu'est-ce que je lis aujourd'hui, 3 juillet, je vais vous le lire, c'est intéressant. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Psaume, attendez, 68, verset 15. Un guide nous est indispensable. Il est des cas où nous nous donnerions tout ce que nous possédons pour savoir ce que nous avons à faire et de quel côté nous voulons nous tourner. Nous avons la volonté de bien faire, mais nous hésitons entre deux routes à suivre. Oh, qui nous donnera un guide? Bah, vous avez compris aujourd'hui. Ben, vous chercherez et vous aurez le guide, toujours. On est quelquefois demandé, avec mon épouse maintenant, vu notre âge, on est en train de se poser la question de certains choix qu'il faut faire. Alors, bon, on peut avoir notre opinion, mais on va surtout demander à l'Éternel ce qu'il veut. Et on va obéir à l'Éternel. Amen. L'Éternel, notre Dieu, condescend à nous servir de guide. Il connaît le chemin. Il écrivait à l'époque, les gens avaient du respect pour Dieu. L'Éternel condescend à nous servir de guide. Il connaît le chemin et nous conduira jusqu'à ce que nous ayons atteint en paix le terme de notre voyage. Peut-on désirer une direction plus sûre? Mettons-nous entièrement sous sa conduite. Mettons-nous entièrement sous sa conduite et nous ne risquerons pas de manquer la route. Faisons-lui de lui notre Dieu et nous trouverons en lui notre guide. Si nous suivons sa loi c'est la loi de Dieu, hein. Nous ne nous fourvoirons point dans la vie, pourvu que nous apprenions avant tout à nous appuyer sur lui à chaque pas. Nous avons l'assurance que s'il est notre Dieu à toujours et à perpétuité, il ne cessera jamais de nous diriger, il nous conduira même jusqu'à la mort pour que nous habitions avec lui pour l'éternité. Cette promesse de la conduite divine nous garantit la sécurité pour notre vie entière. Salut tout d'abord, direction ensuite, et jusqu'à notre dernière heure, enfin, vie bienheureuse à jamais. Chacun ne devrait-il pas chercher Dieu dès son jeune âge, se réjouir en lui durant sa vie et se reposer sur lui dans sa vieillesse? Regardons aujourd'hui à lui pour être guidé afin de pouvoir nous confier encore en lui à l'heure de notre départ, c'est-à-dire notre mort. Amen. J'ai dû accompagner ma maman qui agonisait il y a 8 mois, 9 mois, un an à peu près. En septembre dernier. Et elle est morte. Nous arrivons tous à une fin, vous savez. Et je pense
que cette expérience que beaucoup connaissent, avant de mourir, beaucoup de témoignages, les gens revoient, paraît-il, en quelques secondes, tout le fil de leur vie. C'est-à-dire qu'ils savent qui ils sont. C'est Dieu qui leur montre. Toi, tu vas mourir, voilà qui tu es. Tac. Et là, c'est Dieu qui parle. Je crois à ça. Oh là là. Je crois qu'il est temps de réfléchir. Il est temps de poser des questions quand même. Est-il normal qu'un chrétien ne porte jamais un seul fruit, n'amène jamais une âme au Seigneur, ne pense jamais à témoigner autour de lui, ne pense jamais à avoir de la charité pour quelqu'un, à chercher dans son entourage une personne qui a des besoins, un alcoolique vers lequel aller, que sais-je, un orphelin, une femme abandonnée, il y en a plein aujourd'hui, il y en a partout. Est-il normal que les chrétiens vivent dans leur petit appartement bien tranquille et puis le reste, bon, ça viendra, c'est Dieu qui doit te faire. Non, c'est toi qui dois aller. C'est toi qui dois aller. Vous rappelez le témoignage que j'ai donné quand j'étais jeune chrétien, je vais m'arrêter là. J'allais dans une église, je buvais les messages, je voulais que Dieu me parle. Je disais au pasteur, fais-moi une réunion tous les jours, même le matin, toute la journée, on prie toute la nuit si tu veux. Moi je veux la totale avec Dieu, je veux tout. Et au bout de 6 mois, je voyais, n'est-ce pas, tous les chrétiens, près de 50 personnes, qui venaient au culte dans cette église. Et le pasteur prêchait. Et un jour, j'étais là, j'ai regardé, après 6 mois, hein, j'ai regardé tous ces gens qui venaient dans l'église depuis des années. Et j'ai dit, mais à part ça, qu'est-ce qu'ils font? Et j'ai eu un choc. J'ai dit, mais si je sors de l'église, je tourne à gauche sur le trottoir. À 25 mètres, il y a un bistrot où vient toute la jeunesse dorée de la ville pour acheter de la drogue et boire et tout le reste. Tout le reste, on sait ce que ça veut dire. Hé, pourquoi on n'irait pas? Le jour même, à la fin du culte, on est sorti, on est allé. Vous savez ce qui s'est passé? On est entré avec une fumée de cigarettes partout. J'ai pas commandé une eau minérale pour jouer l'enfant de cœur. J'ai commandé une bière. Et je me suis assis à la table avec ma femme. Les gens nous ont dit, vous êtes qui là? Non, on sort de l'église à côté. Oh, qu'est-ce que vous venez faire ici? Ben, on avait à cœur de vous parler de Jésus. Eh bien, ils nous ont écoutés. Personne avant n'était allé leur parler de Jésus. Ils croyaient que ce n'était pas pour eux, c'était juste pour les chrétiens, Jésus. Eh bien, ils nous ont écoutés. Ils nous ont écoutés. Il y a eu même un suivi avec certains. Mes amis, faut sortir de vos coquilles, là, faut arrêter. Quitter les jupes de votre maman une fois pour toutes, et puis apprenez le courage. Le monde meurt et va en enfer, à cause de nous aussi, parce qu'elles n'ont pas le courage. Vous savez, il y a une scène que j'aime beaucoup dans le film de Schindler. Vous savez, c'est quoi le titre déjà, Schindler ? La liste. La liste de Schindler. Vous savez, alors il y a des scènes. Il ne faut pas regarder, hein. Bon, la scène de coucherie, tout ça, mais bon, c'est un homme du monde. Hein. Mais vous savez, la scène finale, vous l'avez vue peut-être, quand il doit s'enfuir, parce qu'il a quand même l'insigne nazi, et puis et les juifs lui fondent, en arrachant l'or des dents de 2-3 juifs, un anneau de reconnaissance où il grave son nom en hébreu, n'est-ce pas, pour le remercier. Et là, il réalise, il a sauvé 600-700 juifs de la mort. Et là, il se met à pleurer, il dit, mais j'aurais pu faire plus. Mais et cette voiture, si je l'avais vendue, cette super voiture, ça en faisait 10 de sauver. Et cet insigne, c'est nazi, c'est de l'or, si je l'avais vendu, c'était 2 juifs sauvés. Et il commence à pleurer, il dit, ah, et les juifs le consolent. Donc, au dernier moment, il dit lui-même, je sais pas, c'est un païen, mes amis, c'est un païen. Et il dit, j'ai pas fait assez. Et nous, les chrétiens, nous sommes tellement contents, tellement heureux. C'est tellement, tellement confortable. Je crois que, à la fin de ma vie, je suis sûr, je dirais, Dieu, pardon, j'ai pas fait assez. On fait jamais assez. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut faire par vos propres forces, mais il faut s'unir à Dieu, mes amis. Et puis, il faut commencer à faire ce que Dieu nous demande de faire. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Mettez-vous à genoux là où vous vous trouvez et commencez à chercher Dieu. Et là, vous n'avez jamais appris le courage. Et le courage d'apprendre le courage d'aimer Dieu, le courage de voir votre lamentable comportement
dans le bon nom de Jésus. Soyez bénis, soyez fortifiés. Dieu vous aime, malgré tout. Mais il veut que vous deveniez comme Jésus.